se dispenser, j'en rigole, je peux dire que je me suis voyauté. J'ai jamais tant ri ma parole chez ma portière en prenant le thé. Pour vous dire que ma pipelette, Madame Pète en bois, possède trois filles. L'aînée, Frédégonde, qui vient d'obtenir un premier prix de trombone, la cadette Pulchérie, qui vient d'être nommée professeure de jiu-jitsu à la société de gymnastique Les Costauds de la Butte, et la plus jeune, Zénobie, qui vient de passer avec succès son examen de cochère. C'est à l'occasion de ces événements que Madame Pétanbois a offert une soirée aux principaux locataires de la maison. Ça se passait dans l'appartement du proprio qui voyage pour soigner une maladie de longueur. À 9h, les invités sont amenés. Il y avait 15 personnes naturelles, sans compter le perroquet à Madame Richandlard, le chien à Madame Mouchamiel et le chat à Madame Veut-à-Pomme. On a servi le thé et des gâteaux avariés. Monsieur Beloiseau, le spirit du troisième, nous a donné une séance de spiritisme. On a commencé par l'étape tournante. On s'est mis autour d'un guéridon, les mains dessus. Le spirit a dit « Table, répondez !» Ça bouge, dit une voix. C'était le perroquet à Madame Richandlard. Le spirit qui était vexé a dit « Je vais tenter une expérience sur un médium. » Là-dessus, il a fait le tour de la société en roulant des calots comme un chat qui ribouzinque dans la braise. Il s'arrête devant Mademoiselle Pulchérie. Il lui fait des passes magnétiques en lui disant « Dormez, je le veux. » La platisforme, elle est teintée quinquet. « Levez-vous, je le veux. » Elle s'est levée. « Suivez-moi, je le veux, je le veux. » Elle l'a suivi. Ils sont sortis de la salle à manger. Nous sommes restés comme deux ronds de plan. Un silence. On aurait entendu fioler une mouche. « Où est-ce qu'est ma fille ?» dit Madame Pétanbois. « Oh, j'en suis foque. » On finit par les trouver. Oh, ils l'avaient bien endormie. À preuve qu'elle était couchée dans le lit du proprio. Beloiseau était à côté d'elle. Il lui faisait des forces magnétiques en disant toujours « Je le veux, je le veux. » Bref, on s'est retiré et la partie artistique a commencé. Frédégonde a joué un solo de trombone, ensuite elle nous a fait danser la liquette, la croupionnette, la cécette. Mademoiselle Dupoirot, la fille de la fruitière, a chanté « C'est de la prison que je t'écris !» Eh ben, t'as de jolies connaissances que je fais. Après elle, Madame Tiroplan, la sage-femme, une femme qui peut avoir dans les 50 ans de bouteille, nous a roucoulé. C'était le printemps, nous avions 20 ans. Tu dois plus t'en rappeler, il y a trop longtemps de ça que je m'écris. À votre tour, Monsieur Panouille, disait Nobby. Je me suis levée et j'ai chanté une romance à la mode. L'amour est vainqueur, garde ton cœur. L'amour est vaincu, garde ton... Que j'ai eu un succès, charmante soirée. Enfin, Mademoiselle Vadebier, une tragédienne du théâtre de Concarneau, a déclamé le singe d'Italie, avec une voix à la Sarah Bernard, une voix d'or. Peut-être pas d'or, mais au moins du titre 6. Un poignard à la main, l'implacable Athalie étalait sur son pain du fromage de brie. Il avait une odeur de brie épouvantable. Je ne peux pas continuer. Je manque de salive. Oh, ben vous arrêtez pas pour ça que je lui dis. Je vais vous en prêter un peu, vous me la rendrez plus tard. Alors le ténor du quatrième se lève et il a dévoisé un morceau d'opéra. Je vois la mer immense, je vois la mer d'ici, la mer de là, la mer de tous côtés. Oh, moi je la vois pas mais je la sens. C'était le chien à Madame Mouchamiel qui s'était oublié sur le tapis. Enfin, pour terminer la soirée, il y a Monsieur Richandlard qui nous a chanté. Vois mon effroi, vois mon effroi, vois mon effroi, ma belle. Vois mon effroi, vois mon effroi. Oh, mon vieux gifet, si t'as le nez si froid que ça, faut te le réchauffer, mon petit gars. Rien que d'y penser, j'en rigole. Je peux dire que je ne suis voyauté. J'ai jamais tant ri ma parole chez ma portière en prenant le thé.